L'Éternel sauve son nom. Il exaucera les cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Quand vous regardez ce psaume, il y a le CAF dedans, le secours de Dieu. Il y a le soutien de Dieu. Parce que quand vous voyez les mots-clés qui sont dedans, vous avez l'exaucement, le secours, le soutien. Vous avez la consécration, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Vous avez l'accomplissement de vos desseins. Alors tout est dans ce psaume 20. Bien-aimé, que ton année soit une année fructueuse. J'aimerais te donner un exercice. Tous les jours, tu peux ouvrir ce psaume et le lire. Afin de rappeler à Dieu ce jour. Pour lui dire, Seigneur, tu nous avais donné le psaume 20. Alors accomplis-le dans ma vie. En sachant que tu as ta part à faire. Tu fais ta part et Dieu fera sa part. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions libérer quelques paroles de prière. Et nous allons continuer. Tu vas dire avec moi, tu vas répéter avec moi. Seigneur, impose ta main sur ma vie. Seigneur, impose ta main sur ma vie. Afin que les gens voient tes miracles dans ma vie. Afin que les gens voient tes miracles dans ma vie. Et loue ton saint nom. Et loue ton saint nom. Père, Père, que ta parole, que ta parole prenne le contrôle total de ma vie. Prenne le contrôle total de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Cette année. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Davantage. Davantage. D'investir. Dans la vision que tu m'as donnée. Père, libère à nouveau ta gloire dans ma vie. En cette décennie qui commence aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que cette année, les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur puissent te plaire. Cette année, restaure la louange dans ma bouche. Dans moi, un chant nouveau. Donne-moi un chant nouveau. Que le feu du Saint-Esprit épure mon esprit. Ma pensée et mon âme. Nous allons rester là et tu vas taper les mains et demander à ce que le feu du Saint-Esprit puisse épurer ton esprit, tes pensées et ton âme. Que le feu du Saint-Esprit épure nos pensées. Que le feu du Saint-Esprit épure nos esprits. Que le feu du Saint-Esprit épure nos âmes. Seigneur, enlève le feu. Enlève ce qui ne te glorifie pas. Que le feu du Saint-Esprit épure tout ce qui est en nous, dans la terre, dans la plante, dans la pierre. Que le feu du Saint-Esprit épure nos âmes, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit épure nos esprits. Ô Seigneur, que cette année 2020, toute semence de la convoitise, de la paresse, de l'immoralité, de la rébellion, de la colère, du péché sous toutes ses formes, sois déraciné de ma vie. Non. Demande à ce que toute mauvaise chose soit déracinée dans ta vie. Tape les mains. Ô Seigneur, que cette année 2020, toute semence de la convoitise, de la paresse, de l'immoralité, de la rébellion, de la colère, oh, du péché sous toutes ses formes, soit déracinée dans ma vie au nom de Jésus. Que cela soit déraciné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi. Mon Père, une nouvelle grâce sur ma vie. Que cette année, je puisse marcher selon ta parole au quotidien. Que cette année, je puisse marcher selon ta parole au quotidien. Père, baptise-moi de l'amour de Dieu. Que ta parole prenne une place. Une place totale.
Je manifeste les sentiments qui étaient en Christ. Que je manifeste le pardon. Que je manifeste l'amour. Que je manifeste la compassion. Que je fasse du bien à ceux qui m'ont fait du mal. Que je prie pour ceux qui m'ont blessé. Dans le nom de Jésus. Oh mon Père, mon Père. Que cette année 2020, que Jésus-Christ soit vu au travers de ma vie. Dans le nom de Jésus. Mon Père, mon Père, brise le cycle de la honte dans ma vie. Brise le cycle de l'humiliation. Brise le cycle des oppressions. Brise le cycle de la stérilité dans ma vie, dans le nom de Jésus. Tu vas commencer à taper les mains et demander à ton Père de briser tous les cycles des échecs dans ta vie, au nom de Jésus. C'est l'année du cap, l'année du soutien de l'Éternel, l'année du secours de Dieu, l'année de l'onction de la fédération divine. Mon Père, brise le cycle des échecs, le cycle des déboires dans ma vie, brise le cycle des complications dans ma vie, dans le nom de Jésus. Mon Père, oh, brise au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Seigneur, en cette année 2020, que ton sang parle en ma faveur. Crie en ma faveur. Et que l'idole de réclamation de la maison de mon Père et de la maison de ma mère qui crie contre moi soit anéantie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à anéantir les idoles de la maison de ton Père et les idoles de la maison de ta mère au nom de Jésus. Que toutes les idoles de la maison de mon Père et de la maison de ma mère soient anéanties au nom de Jésus. Que cela soit anéanti dans le nom de Que cela soit anéanti dans le nom de toute idole qui crie contre toi. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, ô Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Apprends-moi à discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus. Mon Père, mon Père, puisse ton doigt déraciner toutes les mauvaises plantes que l'ennemi a plantées dans ma vie, dans mon cœur, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Au nom de Jésus, commence à demander, tape les mains, à ce que le doigt de l'Éternel puisse déraciner toute mauvaise plante qui a été plantée dans ta vie, au nom de Jésus. Mon Père, que ton doigt déracine toutes les mauvaises plantes qui ont été plantées dans ma maison, plantées dans la vie de mes enfants, plantées dans mon mariage, dans le nom de Jésus. Mon Père, déracine toutes les mauvaises plantes, au nom de Jésus. Alléluia. Dis encore, mon Père, mon Père, en cette année, je veux dépendre de toi. Pour tout. Et absolument tout. Je ne veux rien faire sans toi. Je ne veux pas aller sans toi. Je ne veux pas faire des alliances sans toi. Dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, épure mes oreilles. Permets-moi d'entendre. Clairement la voix de Dieu. Saint-Esprit, permets-moi d'entendre clairement les instructions de Dieu à mon sujet. Et tu vas dire, j'ordonne à toute voix de distraction et d'intimidation dans mes oreilles de se taire au nom de Jésus. Bien-aimé, 2020 est l'année de l'accélération divine. Alors commence à faire taire toute voix d'intimidation qui part dans tes oreilles au nom de Jésus. Commence à faire taire au nom de Jésus.
bénédiction. Je déclare que j'ai la langue de l'humble et du sage. J'ai la langue de la maîtrise de soi. J'utilise ma langue pour bénir et non calomnier. Mon père, je te bénis pour cette merveilleuse et belle année que tu me donnes. Car je te célèbre. Ceux qui te cherchent aussi te célèbrent. Mon père, alors que nous sommes au début de l'année, protège mon âme. Que tout mauvais plan que l'ennemi a orchestré contre moi soit anéanti dans le nom de Jésus. Mon père, brise tout cycle de malheur, d'échec, de tristesse, de complications, de fatigue, de peur, de la maladie, dans ma vie, dans le nom de Jésus. Et tu vas dire, mon père, que les cieux soient ouverts. En permanence, sur ma vie, au nom de Jésus. Mon père, que les cieux soient ouverts en permanence sur ma vie, dans le nom de Jésus. Mon père, que les cieux soient ouverts en permanence sur ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je reconnais Alléluia. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Dans le nom de Jésus.
Et je déclare sur toi, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es un meilleur père. Amen. Une meilleure mère. Amen. Un meilleur époux. Amen. Une meilleure épouse. Amen. Et une meilleure future épouse. Amen. Allez.